Hey, what's up, guys? Ici Tony, ici, dans votre fil de nouvelles pour partager du contenu positif, inspirant et qui, j'espère, sera éveillé en vous, cette splendeur qui nous habite tous à l'intérieur. Yes! Petite capsule aujourd'hui pour vous expliquer la différence entre un coach et un mentor. Je vais commencer avec le coach, puis je vais utiliser une petite métaphore pour que vous compreniez bien. Donc, un coach, c'est la personne qui est assise sur le siège du passager, alors que le coaché, c'est le conducteur. Le coach va tenir dans ses mains la carte qui montre la destination à atteindre et les différentes étapes que le conducteur a établies avec lui. Il va aider le coaché à identifier ses motivations et ses objectifs. Il va l'aider à nommer ses craintes, identifier ses croyances limitantes et ses blocages, puis il va l'aider à les surmonter. Ce que le coach va faire, c'est qu'il va susciter les connaissances et la réflexion du coaché pour qu'il trouve lui-même ses propres réponses. On pourrait dire que les coachs sont un peu comme des poseurs de questions professionnelles. <laughs> Un mentor, maintenant, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une personne qui a déjà vécu ce que vous vivez à l'heure actuelle. Un espèce de gourou qui devient votre confident personnel et ou professionnel et qui, comme le coach, va guider votre réflexion afin que vous trouviez vous-même les réponses à vos questions. Un mentor agit la plupart du temps sur le savoir-être de la personne mentorée. Il va vous aider à prendre les bonnes décisions ou va chercher avec vous des pistes de solutions envisageables sans jamais prendre de décision à votre place. Il va vous motiver, vous écouter, vous encourager dans vos réflexions et vos actions. Il va vous expliquer vos erreurs, ce que vous en avez fait, et comment les corriger ou les éviter lorsqu'il va vous donner une rétroaction de vos derniers agissements. Pour ma part, j'ai actuellement un coach d'affaires et un mentor avec qui je vais déjeuner une fois par mois. Mon coach s'appelle Éric Dionne, qui m'a été présenté par mon associé Christian Coder, Puis mon mentor s'appelle Patrick Grenier, que j'ai rencontré via le Réseau M, qui est un réseau de mentorat pour les entrepreneurs. Il y a aussi David LeFrançois et Martin Latulippe que je considère comme mes coachs et mentors. Ce sont les deux enseignants de ma formation en coaching que je suis en train de, de suivre présentement. Et j'ai aussi deux mentors virtuels qui ne me connaissent pas, mais qui m'inspirent beaucoup et que je suis à chaque semaine sur les réseaux sociaux, donc Grant Cardone et Gary Vaynerchuk. Est-ce que vous avez déjà eu un coach ou un mentor? Est-ce que vous avez l'un ou l'autre présentement ou les deux? J'aimerais ça vous entendre dans les commentaires. On se retrouve demain, guys. Bye bye.